quand même que je vous montre ce que les ouvriers qui sont en train de refaire l'étage de la maison viennent de trouver en refaisant le plancher. Donc c'est un petit, a priori, un petit recueil d'albums, enfin un espèce de petit micro-catalogue, vous voyez la taille de ma main à côté, c'est tout petit. Donc des éditions Hachette, qui datent donc de, attention, 1935 quand même. C'est assez incroyable ce truc-là. Je vous fais voir un peu, ça voilà, c'est un petit trésor. Un petit trésor de patrimoine de la BD en fait. Hein. Ou de la BD ou du livre en tout cas. Je crois que c'est des histoires, c'est un peu du. Je sais pas trop quel était le contenu exact de ces petits livres pour enfants. Regardez-moi ça un peu, quoi. Je vous fais toutes les pages. Il y en a qui sont collés. Alors attention à ne pas les déchirer. Voilà. L'homme à l'oreille cassée. Album Walt Disney, quoi. Oh, le collector, quoi. Mickey Aviateur. Je sais que j'ai des fans de Mickey dans mon fil Facebook, là. Vous avouerez que le machin est quand même assez fort. Zig et Puce. La bibliothèque bleue. Bon, je sais pas toutes les pages non plus, mais. Il y a quand même du niveau, quoi. Voilà. Là, quoi ressemblait à un micro petit album. Collection Jules Verne. On va vous pousser un peu, c'est un peu morflé sur la fin. Voilà. Voir le prix, page 31. J'ai pas eu la page 31. Ah ouais, ici, il y a les prix en dessous. 18 francs. Non, 16 francs. 16 francs. 15 francs. Voilà, c'était l'instant découverte, belle découverte du jour. Voilà. Je fais un petit zoom sur le truc, là, dans le bon sens, tant qu'à faire. Hop. Voilà. Allez, bonne journée.